du ministre des Droits humains, Albert Fabrice Puella, et du coordonnateur de suivi des accords d'Addis Abeba, Claude Ibalankir. Des condamnations fusent de partout face à la énième tentative de déstabilisation de la partie est de la République démocratique du Congo par le mouvement terroriste M23 soutenu par le Rwanda. Au niveau de la région des Grands Lacs, l'envoyé spécial a discuté avec le coordonnateur du mécanisme de suivi de l'accord d'Addis Abeba sur les modalités de sortie de la crise. On en parle avec Robert Ndaichi-Sensei. L'heure est grave face à la menace terroriste. La nation congolaise est en danger, mais la patrie reste sacrée, quelle que soit la déstabilisation par les ennemis du processus de paix. En costume noir, signe de la colère face au M23, Claude Ibalankier Colomba, coordonnateur du comité exécutif du mécanisme national des suivis de l'accord cadre, s'apprête à remettre l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région de Grand Lac, M. Wang Xia, la désapprobation du peuple congolais suite à une nouvelle agression des récidivistes du mouvement rebelle M23 soutenu et armé par le Rwanda. Pourquoi la communauté internationale reste silencieuse face à ces menaces qui déstabilisent la région? Wang Xia s'explique. La communauté internationale n'est pas silencieuse là-dessus. Au lieu des bruits de bottes, la communauté internationale voudrait surtout entendre et faire entendre les voix pour la diplomatie. Le dossier est crucial et délicat pour la paix dans la région. L'envoyé spécial du secrétaire général, lui, estime que la médiation entamée par le président angolais doit se poursuivre pour un dialogue inclusif. Depuis des années et des années, c'est grâce au dialogue que les pays de la région des Grands Lacs ont su mieux gérer tous ces dossiers. Du côté congolais, le coordonnateur du MNS, Claude Ibalankir, le temps de préalable est dépassé. Le Rwanda doit cesser son soutien au M23. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'époque de poser des conditions pour la paix. La population n'a pas le temps d'entendre les politiciens, les groupes armés en train de discuter sur des conditions préalables. Ils n'ont qu'à déposer les armes d'abord, à cesser les feux unilatéralement, à vider les territoires occupés. Ils doivent s'y rendre et rejoindre le processus de paix des DRCS. La patrie est sacrée. Aucun centimètre du sol congolais ne sera cédé à qui que ce soit. Aujourd'hui, il y a une seule chose qui importe, c'est la paix totale à l'est de la République démocratique du Congo. Et puis, l'ambassadeur de l'Allemagne en République démocratique du Congo a également condamné l'agression de la RDC par son voisin. C'était lors de l'entretien qu'il a eu avec la presse en sa résidence. Christine Linzo, reportage. L'Allemagne est pour la RDC un partenaire fiable, flexible et qui s'adapte aux besoins de la population. Ces propos sont de l'ambassadeur Oliver Schnackenberg lors d'un échange organisé avec la presse sur la terrasse de la résidence allemande en RDC. Plusieurs points ont été débattus, la coopération allemande, les domaines d'intervention de la GIZ, de la KfW et du BGR, aussi les questions de paix et stabilisation, démocratie, droits de l'homme et aide humanitaire. Sur ces derniers points, l'ambassadeur de l'Allemagne en RDC a sans mâcher les mots condamné l'agression de la RDC par le Rwanda. Nous appelons à tous les pays voisins à respecter et à protéger l'intégrité territoriale de la RDC et à s'abstenir de toute déclaration ou action incendiaire et de toute incitation à la violence. Ce n'est pas acceptable sur tous les côtés des frontières. Abordant certains projets de coopération, l'Allemagne finance des projets dans 5 secteurs regroupés en 3 thèmes, l'environnement et ressources naturelles qui englobent la biodiversité, l'eau et l'énergie, le développement économique durable et la paix et la cohésion sociétale, explique la délégation allemande dans ses jours en RDC. Selon elle, chaque projet est confié à un ministère de tutelle et exécuté soit par la GIZ, soit
par la Banque allemande de développement et soit par l'Institut allemand de géosciences et des ressources minières, BGR, chacun selon son mode opératoire. La population quinoise n'est pas restée indifférente par rapport à la situation qui prévaut dans la partie est de la République. Les Quinois ont délié leur langue sur l'agression rwandaise. On les écoute. Tout ce qu'on peut dire en tant que population congolaise et quinoise en particulier, c'est de soutenir de manière indéfectible nos militaires, nos grands soldats, mais aussi la vision du chef de l'État parce que ce grand pays qu'est le Congo a besoin d'un leadership très fort et ce leadership doit se concrétiser à travers l'armée. Et on a besoin d'une armée forte et comme l'armée ne cesse de monter des prouesses, parce que depuis quelques temps on voit à travers les images que l'ennemi est en train de subir une force de frappe. Voilà. Et nous en tant que population, on ne peut que les soutenir à 100%. Déjà, nous condamnons cette hypocrisie de la communauté internationale qui nous fait de beaux yeux, mais derrière, ils se retournent pour nous empoignarder. C'est comme ça que par rapport à cette situation, moi j'interpelle le président de la République de prendre ses responsabilités comme chef d'État. Parce que nous devons protéger notre sol et nous devons protéger notre peuple. C'est comme ça que je m'en vais lui lancer un message de ne plus compter sur la communauté internationale, de ne plus compter sur les forces régionales. Maintenant, il doit compter sur le peuple congolais et sur l'armée. Et si jamais il lançait une déclaration de guerre contre le Rwanda, qu'il se rassure que ce ne sera pas seulement nos phares de ceux qui iront se battre, mais même nous, peuple congolais, nous jeunes, nous nous lèverons pour accompagner nos phares de ceux afin que nous puissions remporter cette guerre et au besoin envahir même tout le Rwanda parce que nous sommes un grand pays, un pays de 100 millions de Congolais. Ce n'est pas un petit pays qui a moins de 15 millions qui peut nous déranger à tout moment. À attendre le Conseil des Nations Unies et tous les amis là, parce qu'ils ne jouent pas un franc jeu. Comment un petit pays comme ça, comme le Rwanda, peut dire qu'il est supérieur à nous? Est-ce que nous ne pouvons pas acheter des armes qu'ils ont? Donc, moi je pense qu'il faut que les forces armées qui sont préparées, qui sont même outillées, qu'ils attaquent. Moi je les appuie totalement. Ça peut arriver, étant donné qu'il y a plusieurs complicités. Ils ne doivent pas se décourager, ils doivent avancer, aller de l'avant. Et nous devons, nous aussi, population, chercher à démanteler quelle est la colonne qui agit de l'intérieur. Ce qu'on appelle la cinquième colonne. Et puis dès qu'on aura démantelé cette colonne, je crois que la guerre elle-même va s'arrêter. Parce que la guerre, quand on la gagne, ce n'est pas en attaquant à gauche, à droite, c'est surtout avec ceux qui sont à l'intérieur. Comme on dit en Chiluba, Chichijajalukunda, Chijimunda Mwalukunda. Ça veut dire que l'insecte qui bouffe le haricot est dans le haricot. C'est quand vous arrivez à la fin que vous constatez que le haricot est déjà pourri et vous constatez que l'insecte était déjà à l'intérieur. Ce que nous devons faire, la population, pour soutenir notre armée, c'est de déceler quel est l'ennemi qui est à l'intérieur, le neutraliser et la guerre va s'arrêter. Si on peut juste envoyer des renforts, des policiers pour les soutenir en cas de problème ou des bagarres, des viols. Et j'ai plus juste que les seigneurs nous aident, parce que ce qu'ils sont aussi là-bas, c'est nos frères ainsi que nos sœurs. J'encourage juste nos militaires. Et aussi, je demande à la population de les soutenir financièrement et moralement aussi. Et puis, les mouvements citoyens ont fait un sit-in ce mardi devant le ministère des Affaires étrangères. Ces jeunes demandent la rupture de la coopération avec le Rwanda et l'expulsion de son ambassadeur à Kinshasa. Ils ont remis à cet effet un mémo au vice-ministre des Affaires étrangères. Françoise Bouélaboaki, commentaire. Les jeunes activistes de droits de l'homme, des leaders de mouvements citoyens, des artistes musiciens ont fait bloc. Ils ont manifesté ce mardi 14 juin devant le ministère des Affaires étrangères pour condamner l'agression rwandaise. Message de soutien à l'armée sur des calicots, des t-shirts et autres moyens pour exprimer l'indignation. Que nous voulons toute rupture de relations diplomatiques avec le Rwanda, qui a clairement été désigné comme le pays agresseur. Rien ne nous oblige à sauvegarder les relations avec un pays qui nous agresse. Ces bruits ont retenti au point de sortir le vice-ministre des Affaires étrangères de son bureau. Sami Adoubango a reçu le mémo. Se matérialiser par la fermeture des ambassades du Rwanda à Kinshasa
et de la RDC à Kigali. La fin immédiate de l'intervention de l'armée ougandaise sur le sol congolais et la convocation de son ambassadeur. À la fin du sit-in encadré par la police nationale, pas de casse, aucune arrestation ni brutalité. Les artistes musiciens ne sont pas en reste. Fally Ipupa a fait un geste patriotique. Sa fondation a remis des vivres et non-vivres pour soutenir les militaires au front. Reportage. Tous forment un et conjuguent désormais les efforts au présent pour galvaniser les morales de troupes au front face à l'agression du Rwanda avec comme homme des mains les M23. Pour répondre à cet appel patriotique, la mégastar Fally Ipupa est debout pour défendre sa terre. Au nom de la fondation qui porte son nom, cet artiste musicien arrive avec un lot de vivres et non-vivres pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. Les patrons du label F-Victime, Dicap la Merveille, comme l'appellent si bien ses mélomanes, et sa fondation ont été reçus par le chef d'état-major général, Célestin Mbala Moussessé, dans la salle des réunions de l'état-major général, avant de remettre symboliquement les cartons de sardines, de l'eau, de la farine, du riz et autres articles au bénéfice de nos forces armées. Le général des brigades adjoints, Hassani Kouindoula Michel, chargé de la planification et logistique, trouve les mots justes pour saluer ces gestes de l'artiste musicien. Le geste que vous venez de poser, c'est un geste patriotique, un geste d'amour et qui fait la fierté. Hein. Ça va arriver sur le terrain, chez les destinataires, ce sont les militaires qui défendent notre territoire. D'ordinaire, Fally Ipupa est plus dans les actions caritatives. Cette fois, c'est l'armée qui constitue la première des préoccupations. Au-delà de l'enthousiasme autour de cet artiste musicien de renom, l'activité s'est clôturée par une photo des familles avec les officiers militaires sur place. À son tour, l'artiste musicien Watanabe s'est associé avec les forces du progrès de l'UDPS pour se mobiliser en faveur des FARDC. Reportage. La défense de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo est une affaire de tous. La force du progrès de l'UDPS ne désarme pas dans la sensibilisation de la population sur les rôles qu'elle doit jouer dans la défense de la patrie. Ce 13 juin, c'était le tour de la jeunesse de Mouamba de manifester son soutien sans faille au FARDC et à son commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour atteindre sa cible, le président de cette structure, Jean-Claude Senga, a fait appel à l'artiste et musicien héritier Watanabe et son orchestre pour faire passer les messages. Monsieur Bavari Bumba, il se bat pour défendre la nation, pour défendre la patrie, pour défendre le pays, pour défendre le territoire. À son tour, Patrick Onoya, coordonnateur de l'action Fatih 2023, a appelé les jeunes de l'Est de la République démocratique du Congo de collaborer avec les services de sécurité et de renseignement, surtout dénoncer toute présence suspecte dans leur milieu. Au cours de cette manifestation, une minute de silence à l'honneur des soldats tombés à Bounagana aujourd'hui, et nous appelons toute la jeunesse congolaise à se mobiliser pour rejoindre les rangs des forces armées, parce que trop c'est trop et nous devons en finir. Un message capté 5 sur 5 par l'assistance. À l'unanimité, ces jeunes invitent les garants de l'intégrité territoriale à déclarer la guerre aux ennemis de la République et là tous les soutiens du peuple congolais. Tout à fait autre chose à présent, rendons-nous à la chambre haute du Parlement pour parler de la plénière du jour avec Sandra Nyangitabou. Au cours d'une plénière marathon tenue lundi 13 juin jusqu'au tard dans la soirée, la proposition de loi modifiant et complétant la loi de 2006 portant organisation des élections à tous les niveaux en République démocratique du Congo a été votée au Sénat. Le vote de cette loi par la Chambre haute du Parlement intervient environ 10 jours après son examen en première lecture et adoption par l'Assemblée nationale. Au Sénat, sous la supervision du président Modeste Bahati Lukwebo, la commission PAJ a travaillé d'arrache-pied
en examinant les amendements envoyés par les sénateurs pour enfin doter le pays de cette loi importante pour l'organisation des élections prévues en 2023. L'innovation apportée par le Sénat à cette loi, c'est l'introduction de l'article 13 bis en vue d'inciter les femmes à se représenter en entendant la mise en œuvre effective du principe de la parité. Chers collègues sénateurs, nous allons évoquer un anniversaire. C'est celui du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fête ce jour ses 59 ans d'âge. Au nom de l'Assemblée plénière et au mien propre, je lui souhaite un bon anniversaire. Le travail est à présent à la commission paritaire Assemblée nationale-Sénat pour harmoniser les vues, d'autant plus que la dite loi a été votée dans des termes non identiques avec la chambre sœur. Réforme de l'administration publique, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou est arrivé à Kananga dans le Kasaï central. Objectif est de suivre les détails sur l'évolution des réformes en cours. Nadine Kilocho, Moke Maluma et Cédric Kenina ont signé ce reportage. Deuxième étape de sa mission dans l'espace Grand Kasaï, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou est arrivé le lundi 13 juin à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. Il était reçu à l'aéroport de Kananga par le gouverneur intérimaire de cette province ainsi que la population de Kananga qui a accueilli avec joie le patron de l'administration publique qui a effectué le déplacement de Kananga pour procéder à l'évaluation du fonctionnement de l'administration publique et à l'immatriculation des agents publics de l'État par la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, CNSA. Surveiller de près, personnellement, la réforme de l'administration publique qui ne doit pas se limiter au niveau des services centraux, qui doit se répercuter et se ressentir au niveau des services déconcentrés ici en province. À Kananga, ville historique où furent rédigés les premiers textes de la constitution de la RDC, dite constitution de Luluabourg, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, a échangé avec l'autorité provinciale sur les axes de son séjour. Au sortir de l'audience, Jean-Pierre Liaou s'est adressé à la population venue en masse au bâtiment administratif de la fonction publique de Kananga pour écouter son adresse. Le VPM de la fonction publique a affirmé sa détermination de mener jusqu'au bout le combat contre les injustices, disparités et autres dysfonctionnements dans l'administration publique. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a appelé la population à soutenir le chef de l'État et les FARDC contre l'agression du M23 soutenu par les pays voisins. Congolais n'y ont ceci qu'à Zali, et Sengeli Azala Sima, Yamukundi Yambouk. Pour la raison de sa kimia, après le lancement de l'opération d'immatriculation, les équipes de la direction de base des données vont se déployer dans l'espace Grand Kasaï pour procéder à l'identification biométrique des agents publics de l'État certifiés, ainsi toiletter le fichier de référence de l'administration publique. Vers une issue favorable dans les négociations autour de la liquidation des lignes aériennes congolaises, bien les ministres du portefeuille et ceux de transport et voies de communication suivent de près ce dossier. Cette séance de travail entre la ministre d'État en charge du portefeuille et le ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement a permis à ces deux membres du gouvernement de donner des orientations claires et précises aux experts concernant la liquidation des lignes aériennes congolaises. Le chef de l'État nous avait confié conjointement une mission de pouvoir nous plancher sur la liquidation des DAC et que on avait présenté les rapports le 7 janvier 2022. On nous avait encore accordé un mandat supplémentaire de pouvoir ajouter des éléments qui manquaient pour que nous puissions présenter un rapport consolidé. Le comité de suivi a jusqu'au 29 juin pour fournir un rapport détaillé qui sera approuvé par les deux ministres et présenté au Conseil des ministres. Il y a un protocole d'accord
qui avait été conclu, signé. En vertu de ce protocole d'accord, on devrait appliquer une décote de 85% sur la dette sociale, mais cette décote était aussi assortie de certaines mesures d'accompagnement. Décote de 85%, cela veut dire que le net à payer aux agents était réduit à 15%. Ces éléments devraient consolider le rapport pour évaluer les mesures d'accompagnement déjà acquises. À charge de l'entreprise, des concessions ont été achetées, des parcelles distribuées aux agents et cadres. Et à ce jour, il est question de voir quelles sont les incidences de la rupture de ces protocoles d'accord pour qu'on arrive à honorer la dette sociale. Les agents des lignes aériennes congolaises qui ont rendu de loyaux services à la nation ne sont pas en reste. Le numéro 1 du portefeuille, la princesse Adèle Kaïnda Maïna, celui du transport, Chérubin Okende, vont étudier minutieusement leur cas. Et puis, les véhicules vendus hors normes n'ont plus de place en République démocratique du Congo. Tout doit se faire selon le strict respect de la législation en la matière. Congo Business, qui travaille dans l'import et l'export de véhicules, veut suivre la réglementation en la matière. Reportage. Les véhicules de seconde main n'ont plus leur place en RDC. En import comme export, tout s'est fait dans le respect de la législation en la matière pour ne pas faire de la RDC un dépotoir. Congo Business s'affirme dans l'import et export des véhicules neufs, suivant des modalités simplifiées à la grande satisfaction des acquéreurs. Je suis très satisfait du service. Il y avait un peu de doute, mais au fur et à mesure, la confiance s'est installée et cela s'est matérialisé par la livraison. Pour mon business, en tout cas, moi, je suis satisfait déjà. Donc je pense que eux aussi peuvent être satisfaits. Seulement, ils font confiance à notre business. Ceux qui commandent reçoivent toujours leur véhicule. En général, on paye 40% la commande et le reste, c'est à payer dans plus ou moins 2 mois pour nous permettre le dédouanement. Et la livraison, c'est dans 3 mois. Pour votre gouvernement, Congo Business est situé au deuxième niveau de l'immeuble des Poules Sud et compte jouer le rôle de premier dans l'importation des véhicules. Toutes marques. À la recherche scientifique, le ministre José Mpanda Kabango a présidé une séance de travail autour de la dotation d'un satellite d'observation terrestre. Reportage. Discussions autour du projet d'acquisition des satellites d'observation de la Terre de la RDC se tiennent à Kinshasa. La délégation des experts de SpaceBel, agence spatiale belge, va travailler pendant 3 jours avec ceux de la recherche scientifique sur le contenu de ce que sera ce satellite. Ils ont tout d'abord échangé avec le ministre de recherche scientifique et innovation technologique, José Mpanda Kabango. Avec le ministre, nous avions discuté évidemment du programme du séjour de la délégation de SpaceBel. Et évidemment, nous allons avoir des travaux avec les experts de la recherche scientifique qui sont désignés pour implémenter les systèmes satellitaires congolais. Il y a un autre programme qui concerne la partie financière du projet. À noter que ce projet d'acquisition des satellites d'observation de la Terre, utile dans la prévention et le suivi des catastrophes naturelles, la reconnaissance militaire, l'inventaire des ressources naturelles et autres, est évalué à plus ou moins 100 millions de dollars américains, qui sera financé à 100% par le gouvernement congolais. Ce projet a été validé et adopté au cours du Conseil des ministres du 11 février 2022, où le ministre Mpanda l'avait présenté aux membres du gouvernement. Les discussions ont commencé en Belgique lorsque le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, José Mpanda, et la délégation qui l'accompagnait avaient eu des amples explications sur le développement de ce projet et ont par la même occasion projeté la réunion de ce jour à Kinshasa en vue des discussions avec les experts de chaque ministère concerné par le projet d'acquisition d'un satellite d'observation de la Terre pour des besoins spécifiques. Le monde a célébré la journée de dons de sang. La Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi a mené plusieurs activités que je vous prie de suivre dans ce reportage. À chaque instant, quelque part, une personne a besoin de sang pour survivre.
Les composants sanguins couramment utilisés pour sauver la vie des patients lors d'interventions chirurgicales, à la suite d'un accident ou encore en cas de maladie aiguë, comme les cancers, la drépanocytose et autres. Des dons de sang réguliers sont nécessaires pour maintenir l'accès des patients à un sang et à des composants sanguins sûrs et de qualité garantie. Consciente de cette réalité, la Fondation Denise Nyakeruchi Tshisekedi, qui fait sienne ses combats, a répondu à l'appel aux dons bénévoles de sang en cette journée internationale spécialement consacrée à la question, avec en leur tête les coordonnateurs de la Fondation, les membres de la FDNT, ont posé le geste qui sauve. Donner du sang, c'est sauver des vies. Lorsqu'on donne quelques gouttes, je pense que quelque part, il y a quelqu'un qui en a besoin. Et vu aussi les thématiques sur lesquelles nous travaillons, entre autres la santé, particulièrement la drépanocytose. Donc la question du sang, c'est une question qui est au cœur de nos préoccupations. Pendant une dizaine de minutes, chaque personne a donné environ 10% de son sang. Ces donneurs s'est dit satisfait d'avoir fait quelque chose de bien pour les autres. Un cas sans conséquences graves sur la santé du donneur, ont affirmé le bienfaiteur. Pour moi, c'est répondre à un besoin qui est réel et je suis fière de cela. Complications, non, parce qu'avant de prélever du sang, il y a quelques examens cliniques qu'on fait. Donc, il y a un critère. Donc, après cet examen-là, si vous êtes éligible, on vous sélectionne. Si vous n'êtes pas éligible, on vous écarte. Au-delà du geste, les attentes de médecins sont encore nombreuses, la situation étant préoccupante en permanence. Nous avons toujours salué leur engagement ainsi que leur disponibilité. Nous souhaitons une grande collaboration et un partenariat encore beaucoup plus productif parce que les besoins sont énormes. Orienté par la vision de la première dame de la République, Denise Nyakeruchi Tshisekedi, qui n'hésite pas à poser le même geste quand il est faux, la fondation qui traduit sa vision. Mais ces deux orientent pas de ses objectifs assignés, entre autres celui de faire sienne les questions de santé publique. Dans la province du Tanganyika, les femmes qui ont accouché le 13 juin 2022, jour d'anniversaire du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ont bénéficié de frais de maternité et autres cadeaux pour avoir donné naissance à des garçons qui vont porter le nom du chef de l'État. L'initiative est de la présidente du Cercle des réformateurs intégrés du Congo. Reportage. Situé sur l'avenue Tolingana, au quartier Malemba, dans la commune de Matete, que le Cercle des réformateurs intègres du Congo, CRIC, a voulu symboliquement redorer les sourires de certaines femmes désespérées. Deux nouveau-nés, venus au monde le 13 juin 2022, dans des conditions on ne peut plus difficiles. Surprise, ces femmes et leurs enfants ont reçu la visite de la présidente du CRIC, Madame Stéphanie Mbombo, qu'accompagnait le gouverneur élu de la province du Tanganyika, Madame Julie Ngungwa, venue à la rescousse de ses parents en manque de moyens pour sortir ses bébés de ce centre de la congrégation des serviteurs de la charité, centre d'Anguanela. Sur place, la présidente du CRIC a prié pour ses enfants avant de payer les frais des maternités, tout en leur offrant également des cadeaux et des enveloppes à la grande satisfaction de leurs génitrices qui ont remercié le CRIC pour ce geste combien louable. Pour la présidente du CRIC, ce geste de générosité s'inscrit également dans le cadre du soutien à la vision du chef de l'État, celle du peuple d'abord. Nous voulons fêter ça en venant assister les mamans qui ont accouché aujourd'hui d'un bébé garçon et qui n'ont pas de moyens pour sortir de l'hôpital. Parce que votre politique, monsieur le président, c'est le peuple d'abord. La seule façon de vous soutenir et de soutenir votre quinquennat, de vous accompagner, c'est d'accompagner le peuple. Les responsables du centre ont saisi cette opportunité pour solliciter de l'aide matérielle pour ce centre hospitalier. Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette édition d'information, un journal réalisé par Pécho Mobenga Yakasongo, Patrick Bapuila, avec le soutien technique de Getou Lusaki, Yannick Yangumba et Alain Ngalia, un journal coordonné par Jacques Abouaba, Mukumina Seduga. Madame, Monsieur, nous vous disons merci de nous avoir suivis et de continuer à soutenir nos forces armées de la République démocratique du Congo. L'actualité continue sur nos antennes en français dans les quatre langues nationales. 13h30, Bobo Anan Mokondi. Au revoir et à la prochaine.